de 100 Hz à 100 Hz, et après vous passez de 10 Hz à 10 Hz. Voilà, un pas de 10 Hz à 10 Hz. Tout ça, vous pouvez le régler dans le menu aussi, bien sûr. Voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour l'instant de ce poste. Moi, je l'ai essayé en émission avec le micro interne. Ça fonctionne bien. Voilà, la modulation est bonne. Le S-mètre, vous l'avez ici, S2. Alors, dans le menu, je vais vous faire voir le menu. Je vais vous faire voir ce qu'il y a dans les menus. Alors, j'appuie sur menu. Voilà, volume. Alors, donc, vous avez le volume dans le menu. Alors, chaque fois pour régler, il vous faut appuyer sur le VFO. Vous appuyez un coup. Voilà, hop. Et là. Voilà, vous appuyez un coup, vous voyez, ça fait la flèche, et là je peux monter le volume ou le baisser. Je rappuie un coup, je tourne le VFO, je passe sur le mode. Alors CW, vous voyez, si j'appuie un coup, voilà, ça fait la flèche. Voilà, FM, AM, après si je continue à tourner, ça ne veut plus, donc je tourne dans l'autre sens. CW, USB, LSB. Voilà, donc on va revenir à CW, je rappuie sur le VFO, je tourne, filtre. Alors, filtre, ça c'est les bandes passantes. Alors là, on est en CW. Si on passe en USB, alors si je passe en USB, LSB, allez, menu. Voilà, je suis en full. Donc ça, c'est la bande passante émission et réception en même temps. Donc si j'appuie sur le VFO, je vais pouvoir la changer. Alors, je peux passer à 3 kg, 2 kg 4, 1 kg 8, 500, 200, 100. 50. Voilà, donc moi je suis toujours bande passante ouverte à fond. Ensuite, la bande c'est le 40 mètres. Le tune rate, alors ça c'est le pas du VFO. Donc là, je suis à 1 kg. Vous pouvez passer à 10 kg, c'est-à-dire vous pouvez passer de 10 kg à 10 kg, 100 kg à 100 kg. Mais bon, ça vous l'avez vu en appuyant, quand vous avez la fréquence, en appuyant sur le VFO, vous faites bouger le curseur, c'est pareil. Ensuite, VFO. Ah, si j'appuie, je peux passer, et je rappuie, je valide, je passe au VFOB. Voilà. Ensuite, le RIT, donc là, moi, il est en off, mais vous pouvez le mettre en on. Vous avez le RIT comme ça. Ensuite, AGC, fast, slow ou off. Moi, je reste en fast. Le filtre NR, je l'ai à 0, mais vous allez voir que si je le mets, vous allez écouter. Vous voyez, ça filtre, c'est vraiment, ça filtre très bien. Ensuite, vous avez l'atténuateur, l'atténuateur 2, le S-mètre, voilà. Alors, le S-mètre, moi je l'ai en S-mètre, vous pouvez l'avoir en bar graph, vous pouvez l'avoir en WPM, ou alors, plus intéressant, en dBm. C'est-à-dire que quand vous voulez contrôler au générateur, si vous injectez 0, moins 70 dBm, et bien vous aurez bien moins 70 dBm, c'est-à-dire qu'il est très bien étalonné. Je l'ai contrôlé avec avec Sylvain 6CIS chez lui, et il est vraiment très précis au niveau des dBm par rapport à un générateur. Donc bon, moi j'aime bien être en S-mètre. Voilà. Ensuite, vous avez le SWR. Alors le SWR, vous pourrez le voir que si vous êtes en CW, il vous l'affichera sur l'écran, mais si vous êtes en CW. Ensuite, vous avez le décodeur de CW, la tonalité de CW, le semi QSK, Keyer Speed, Keyer Mode, Keyer Swap. Practice, alors practice, ça c'est pour quand vous voulez faire des réglages, pour éviter de passer en émission. C'est-à-dire, vous ne passerez pas en émission. Voilà. Alors, practice, et ensuite tonalité du volume, le vox, il y a le vox, le noise gate. Alors, ça c'est intéressant parce que je vous en ai parlé hein, de ce noise gate là. Hein. Alors là, dans ce poste, vous l'avez intégré le noise gate. C'est un des rares postes qui a le noise gate intégré. Le noise gate pour éviter d'avoir les bruits de fond que vous avez dans la pièce, les ventilos, maman qui passe l'aspirateur dans la pièce, voilà. Le TX Drive, alors ça c'est justement, c'est la puissance, c'est pour ça que tout à l'heure sur 80 mètres j'avais quasiment rien de puissance. Vous pouvez monter jusqu'à 8, et là vous êtes au maximum de la puissance du poste. Mais en sachant que sur 7 mégas, vous soyez à 8 ou à 3, vous sortirez la même puissance, voilà. Ensuite, CQ Interval,
CQ message, le PA bias minimum, alors ça il faut pas y toucher hein, bien sûr, c'est les réglages du poste d'origine pour les courants de repos du PA, donc PA bias max, et ensuite alors ça c'est la fréquence centrale, la référence, donc si vous touchez à ça, si on vous dit que vous êtes décalé en fréquence, normalement il est très bien calé, mais enfin bon, si on vous dit que vous êtes décalé en fréquence, vous pouvez très bien agir là-dessus, donc vous appuyez, et vous pouvez vous appuyer, voilà, et vous pouvez bouger en fréquence. Voilà, pour le caler en fréquence comme il faut, ça c'est la fréquence centrale, c'est-à-dire que votre poste vous affichera toujours 7 mégas 100 par exemple, mais lui sera calé par rapport à ce que vous avez réglé là. Voilà, ensuite IQ phase, bon ça il faut pas y toucher, je pense pas. Et backlight, je sais pas du tout, j'ai essayé, moi j'ai pas vu de différence, alors je sais pas ce que c'est. Quand je sais pas, je le dis aussi. Voilà, je reviens en arrière, volume, on va aller sur volume, hop, on va baisser un peu le volume, et on va revenir en arrière. Pour revenir, vous appuyez sur menu deux fois, et vous revenez à l'écran d'accueil. Donc, je vais passer en C-double pour vous faire voir que en émission, voilà ce que ça affiche. Ça va vous afficher la puissance que vous sortez et le ROS. Voilà. 1.06 SWR et ça m'affiche 5W36. Voilà. En C-double, si vous faites en USB ou LSB, hola, 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 ça ne vous affiche rien du tout. D'accord ? Par contre, il n'y a qu'en CW que ça vous affichera la puissance et le SWR. Donc quand vous voulez faire des essais, vous faites des essais en CW et après vous passez. Alors maintenant, je vais essayer de passer sur la G5RV. Alors, on va sortir l'antenne de là. On va la mettre sur la G5RV. Voilà. Vous voyez le S-mètre, S9, 10, 9 plus 10. Voilà. Vous entendez la réception que ça peut avoir. Je vais essayer de monter le volume. Oui, alors c'est pas la meilleure des fréquences. 7100, c'est une. C'est dommage. Je vais essayer de vous trouver. Voilà. Alors, on va monter le volume. Voilà, et le haut-parleur, c'est le haut-parleur d'origine. Hein. Voilà. Comme ça, vous avez écouté la réception un peu de cet appareil. Je vais essayer de changer de fréquence pour vous faire voir. Alors, est-ce que je suis... Je pense pas être accordé. Ouais, voilà, il y a presque 2 de ROS sur la G5RV, il n'y a pas de boîte d'accord là. Donc voilà. Mais enfin, ça fonctionne quand même. Voilà, vous avez pu écouter la réception. Voilà les amis, je pense que la vidéo est assez longue, il y a 20 minutes de vidéo. Je suis désolé pour la longueur de la vidéo, mais bon, au moins je vous fais voir à peu près pas mal de choses déjà de ce petit SDR. USDR plus, alors je vous mettrai le lien d'achat où je l'ai acheté. Alors bon, moi je l'ai payé 154 € avec tout ce qu'il y avait dans le carton hein, que je vous ai fait voir. Il faut savoir que je l'ai acheté il y a 3 semaines, ça fait pas tout à fait une semaine que je l'ai reçu. Il a pris presque 20 € de plus hein, voilà. Donc à moins qu'il baisse, faut regarder s'il y a des promos sur AliExpress, voilà, pour chercher un peu. Mais en tous les cas, c'est un petit appareil qui est pas mal du tout. Hein. Voilà, hein. Il faut pas hésiter à baisser le TX Drive là, dans le menu à 3 pour éviter que vous ayez une modulation un peu trop. Parce que ça pousse beaucoup en modulation. C'est une modulation très poussée, donc il vaut mieux baisser un peu le TX Drive ou descendre à 3 et ça sera pas mal là. Voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire de ce petit SDR qui est. Qui est pas mal du tout, hein, mine de rien, c'est pas mal du tout. Voilà, je vais passer en LSB. Voilà, c'est pas mal du tout. Ça marche très bien sur batterie. Ah oui, je voulais vous le brancher sur. Alors, je vais vous le brancher vite fait, hein. vite fait sur la charge fictive, et on va le brancher sur l'alimentation
L'alimentation qui est là. Alors bon, moi c'est un cordon que j'ai préparé déjà, que j'avais, hein. Donc c'est pour ça, c'est pas le cordon d'origine, mais bon, c'est pas grave, ça va l'alimenter. Je vais passer en 13 volts 8, hein. Donc ici 13 volts 8, voilà, tac, je l'allume. Donc là je passe par l'alimentation 13 volts 8. Donc bien sûr j'ai un peu plus de jus, donc on va passer en émission en CW et on va regarder ce que ça sort. Alors tout à l'heure, vous vous rappelez, j'étais sur 7 mégas, hein, sur 40 mètres, on avait 6 watts et demi, hein, c'est ça, hein. Donc là on a, et oui voilà, vous hein, voyez, 9 watts et demi. 9 watts et demi sur 13 volts 8, sur batterie, batterie interne, 6 watts et demi. C'est un peu normal, hein, la batterie, elle ne va vous sortir que du 12 volts. Et puis en plus, je l'ai pas mis à, il a tourné quand même pas mal hier après-midi sur batterie. Donc bon, voilà. Mais bon, je pense que ça tourne entre 6 et 8 watts sur batterie. Voilà. Le but d'avoir cet appareil, je pense que c'est de faire du portable justement sur batterie, quoi. Hein. Parce que là, brancher sur, vous pouvez le brancher dans un jack radio, vous aurez une très bonne réception, vous pourrez écouter le 40 mètres, le 20 mètres, voilà. Mais je pense que le but est de s'en servir en portable. Voilà les amis, allez, je ne me fais pas plus long. D'autres vidéos suivront certainement de cet appareil. Et puis voilà, je vous mets tout ça sur. Sur la description, hein, je vous mettrai les dimensions de l'appareil et le lien d'achat. Voilà, merci de suivre toujours la chaîne. J'essaye de vous faire des vidéos assez régulièrement de matériel que je reçois. À très bientôt, prenez soin de vous, faites de la radio, n'oubliez pas que la radio c'est avant tout du partage et puis bon contact à vous. Radio Libre 02 F4 JJB vous salue bien.